Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de colis d'une commande faite pour la maison d'édition Boys Love. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc comme je l'ai je crois vaguement évoqué, je suis en train de refaire le vendredi, c'est Yaoi. Donc aujourd'hui on est avec une ouverture de colis, tout simplement parce que je me suis dit ça te permettait de savoir quelles étaient les dernières nouveautés de juillet que j'avais achetées. Je ne les ai pas toutes achetées parce qu'au départ je pensais que j'aurais pas suffisamment au niveau du budget du mois d'août pour me les acheter, et finalement si. Donc on est fin août au moment où je filme cette vidéo, mais je voulais au moins comme ça, ça me laissait la première semaine de août en sûreté en fait pour moi, pour pouvoir lire du coup des yaoi. Donc voilà. Alors je suis pas passée par le site finalement de Boys Love parce que j'ai vu que Amnim Store, qui est un site qui leur appartient, fait des points de fidélité, et donc en fait après t'as des bons d'achat, donc en fait tu fais les mêmes commandes que sur Boys Love, sauf que t'as du coup des réductions. Moi j'ai vite fait mon choix, je compte maintenant sur Amnim Store. Mais en fait comme ça appartient à Boys Love, c'est la même chose. Donc j'ai pris seulement 4 titres des nouveautés. Je crois qu'il y en avait 2 autres qui m'intéressaient, donc je ne les ai pas encore pris, je les prendrai prochainement. J'ai perdu déjà mon ciseau, c'est génial, voilà. Donc j'ai pris que 4 des nouveautés du mois de juillet. Je crois qu'il m'en restait une ou deux qui m'intéressaient, mais je les commanderai très rapidement. Je les commanderai avec les nouveautés de septembre en fait. Donc comme d'habitude, hein, j'ai oublié de te présenter, mais c'est ultra bien protégé, c'est ultra bien fait comme toujours. Enfin voilà, il n'y a rien à redire, sinon j'aurais dit. Voilà, hop, voilà. C'est parti, en ce qui concerne les titres, on va avoir Je brûle pour toi. Il m'a vraiment fait envie ce titre. Voilà. Je vais pas commencer à te parler, enfin je vais juste te mettre la phrase accroche. Une romance drôle, attendrissante et bien encadrée dans la réalité, toute saupoudrée de dessins fins et très attendrissant. Je vais juste te donner mon avis sur la qualité de dessin. Ah, oh, c'est cette qualité là de dessin, ouais ça se voyait un petit peu, mais c'est pas une qualité dont je suis très très fou. C'est tout. Voilà, c'est... c'est une qualité que voilà, j'en rafle. Voilà. Ensuite, on va voir Le fil du destin. J'avais peur que ça soit avec plusieurs volumes, mais non, j'ai eu un doute parce que j'ai vu le post d'une copine. Donc, Le fil du destin, ça par contre, je crois qu'il est un peu dans le thème halloweenesque. Je vais te lire le résumé parce qu'il est minuscule, celui-là. Keiji étudiant dans une université à l'étrange. Faculté de voir les fils, c'est ça, rouge du destin. Un jour il se rend compte que son fil à lui, jusqu'à là encore relié à personne, s'est enfin noué. Excité et heureux à cette idée, il décide de suivre le fil et tombe sur Hiro, un étudiant un peu plus jeune que lui. Comment la personne qui lui est destinée peut-elle être un homme? Donc en ce qui concerne ce titre, comme il est un peu dans le thème, voilà, il a un pouvoir quand même, la faculté de voir les fils rouges, tout ça, je me dis c'est un peu un petit peu de fantastique, donc je pense que je vais le garder pour le premier vendredi d'octobre, parce qu'après il y aura du coup encore une nuit blanche, puis tu auras Goodbye Ride Berly. Donc voilà, je vais te montrer la qualité. J'adore la qualité de dessin. Alors de base je voulais reprendre à faire des pastas pour te montrer la qualité de dessin pendant les vidéos ouvertures comme ça de colis, mais là aujourd'hui j'ai clairement la flemme, donc voilà. Ensuite on a Le libertin et le piège de l'amour. Donc découvrez Kugo, l'auteur de Addict Town, dans une comédie romantique qui déménage. Ouais. Ça parle d'un lycéen qui est donjon, et puis au final il va finir avec un mec. La qualité de dessin est plutôt sympa. Après j'ai pas pu voir beaucoup de visages, beaucoup de trucs. C'est... ah bah voilà une page sympa. Voilà. Non franchement là la qualité j'aime bien. Ensuite avec le dernier titre on va être avec Passion référencée, je suppose. Ouais, référencée. Ouais. C'est ce titre là. Et là on est avec des étudiants. Je croyais que c'était des adultes, mais non c'est des étudiants. La qualité dessin est un peu comme le premier. Par contre, je crois que là, il y a des scènes. Hein. Ouh là, oui, là, t'as des scènes et des scènes. Ah là, t'en as.
J'essaie de te montrer une page soft, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Si toi, tu as déjà lu ce titre, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir tes retours. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!